Hey, c'est tout le monde, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, les amis, pour le main event de Roadblock, End of the Line. Kevin Owens, le champion universel de la WWE, va défendre son titre contre Roman Reigns. Bon, les amis, en tout cas, j'espère que ce match vous plaira. Moi, je pense vraiment qu'il va me plaire, ce match, honnêtement. J'attends vraiment beaucoup de Reigns et de Kevin Owens. Je vais prendre, les amis, écoutez bien, s'il vous plaît, s'il y a un moment dans la vidéo où vous devez m'écouter, c'est maintenant. Je vais prendre Roman Reigns. Allez, c'est parti, momentum lent, les amis, on est parti contre Kevin Owens. Ok, d'accord. J'ai rien dit. Il enlève bien le turnbuckle du haut, hein, il est gentil. Donc Kevin Owens, Roman Reigns, les amis, je catch contre un Kevin Owens modifié. C'est-à-dire que c'est Kevin Owens... très chaud hein, de la night avec 99 en général contre un Roman Reigns qui a 83. C'est pas énorme. Oh, le coup de la corde à linge, mais c'est mieux que rien, vous me direz. Au moins ça fera un match épique, un match exceptionnel, un match awesome hein, parce que franchement je pense honnêtement que le match sera awesome hein. Connaissant Kevin Owens relativement bien, faisant des matchs toujours de très bonne qualité contre un Roman Reigns, je pense que ça peut vraiment faire un match de fou. En tout cas, c'est vrai que les deux-là, on les a pas beaucoup vu catcher l'un contre l'autre, hein, quelques fois, mais pas énormément. Donc c'est vrai que cette rivalité naissante peut être intéressante. Donc, prédiction. Je vois bien Roman Reigns gagner le match. Voilà, je vous le dis honnêtement, je vois bien Roman Reigns devenir champion universel et champion des États-Unis. Voilà, je dis ça, je dis rien, on verra comment ça va se passer, mais c'est ma prédiction. Après, comme j'expliquais durant le match, Jericho, Seth Rollins, il peut avoir plusieurs facteurs. Et non pas le facteur qui t'apporte les colis ou les lettres. Hein. Attention, non, plusieurs facteurs indépendants de la volonté de chacun dans ce match. On verra comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, je pense que Kevin Owens a la faculté, a la possibilité de battre un Roman Reigns. Mais également, ça va de soi pour Roman Reigns, qui peut battre un Kevin Owens. Il l'a déjà fait par le passé. On s'en rappelle. Donc voilà. C'est pour jamais. C'est vrai que ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Après avoir, j'espère qu'il. Imaginons que Roman Reigns est champion universel. Pas de soucis. Très bien. Mais j'espère que la WWE fera en sorte de rendre le truc plus crédible. Et de mettre un petit Roman Reigns en méchant. En petit heel. Parce que le faire face, ça va pas du tout. Ça va pas du tout avec son personnage. Je suis désolé, hein. Voilà. Je pense que j'apprécierais plus un Roman Reigns méchant qu'un Roman Reigns gentil. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est sûr que... Après, est-ce que Vince McMahon va accepter? Ça, c'est pas forcément... Vous savez, Vince McMahon, il s'en bat les couilles de ce que dit Oxor. Hein. Donc, il s'en bat les couilles même de ce que dit Triple H. Donc, limite, même si son beau-fils s'en bat les couilles, on peut rien y faire. C'est le bonhomme. C'est bon, c'est pas très grave. On verra. Moi, j'ai hâte en tout cas de voir la fin de Roadblock. Je pense qu'on peut avoir un très bon match entre Roman Reigns et Kevin Owens. J'y crois. J'ai envie d'y croire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de voir ce que peut donner un Roman Reigns dans un moment décisif comme ça. Sans l'aide, on va dire, de quiconque. Quoiqu'il a jamais vraiment été aidé, Roman Reigns, c'est vrai. Mais bon, c'est jamais. Oh le tricheur. Oh le tricheur de Kevin Owens. Qu'est-ce que tu fais, mec? Qu'est-ce que tu fais, lui a dit Roman Reigns. Mais voilà, j'espère vraiment que ils peuvent nous faire un bon match, de toute façon, Kevin Owens et Roman Reigns. C'est clair et net. Hein. C'est deux catcheurs qui, s'ils se donnent à fond, même Roman Reigns, s'ils se donnent à fond, il peut sortir des grands matchs, des bons matchs. Qu'est-ce qu'il nous fait? Pourquoi il nous fait ça? Pourquoi tu nous fais ça, tiens, tu vois? J'aime pas quand tu fais ça. Quand tu fais ça, je suis obligé de te rusher dessus. Ouf. Allez. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Tiens, mange. Boum. Regarde. Tu vois, c'est toi qui a fait ça là-bas. Et voilà. C'est toi qui a fait ça. C'est pas moi qui fais ça, c'est toi. Et écoutez, Danny. Je sais que vous aimez bien ça. Je sais. Il fait pas? Pourquoi il fait pas? Sinon, ça coûte du rien, pourtant. Ok, il veut pas faire. Très bien, il est pas. Il est complètement dissident, Roman Reigns, ce soir. Je sais pas pourquoi. La dissidence de Reigns. L'Empire romain. Allez. Bah, attendez. Je suis con? Ah, ok. Non, bah, Superman Punch. Sur bord de ring. Bon, ok, en fait, faut...
Je croyais qu'il pouvait faire le crrr comme ça, mais non, en fait, j'ai l'impression qu'il veut pas faire le crrr. Il veut pas. Il a pas envie. C'est pas le genre de mec qui va faire des crrr, normalement. Ouf, le coup de la corde à linge. C'est pas grave, on va poser le Superman Punch 100, hein, on va dire. Boum! Voilà, ça c'est fait, on est d'accord. Finisher de coin. Allez, allez, relève-toi mon petit Kevin Owens. Relève-toi, relève-toi, boum! Oh là 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 là, puissance du Samoan, imaginez, ça se termine comme ça et aussi vite. Imaginez. 1, 2, honnêtement, j'y ai cru. Honnêtement, j'y ai cru. À ce magnifique tombé. C'est pas grave. Ce n'est que partie remise, comme on dit dans le jargon. Dégagez, dégagez les gars. J'ai pas besoin de votre table. De toute façon, votre table est moche. Et de toute façon, à Raw, il n'y a pas de table là. Donc voilà. On s'en bat les steaks. On va casser la table. Ça me dit que je casse la croûte, hein, mais là, je casse la table. Qu'est-ce qu'il en fait, petit Kevin Owens là? Il est prêt, Kevin Owens. Il est prêt pour ce match. Je sens qu'il est prêt, le mec. On sait qu'il est prêt. Non, non, non. Ouf, brise abdos. Gros abdos de Roman Reigns. Pas de décompte à l'extérieur, s'il vous plaît. Ça serait dommage. Ouf. Le péter en deux là-dessus, là. J'espère qu'ils ont bien mis les bons coups, par contre, pour Kevin Owens. Ça serait dommage de ne pas avoir Pop-Up Powerbomb ou d'autres trucs comme ça. Oh là là. C'est massacré. Faut passer par-dessus la troisième corde même. Allez, c'est parti. Boum, le Senton. 118 kilos qui tombe sur lui. Alors, je sais pas s'il fait. Non, j'ai une connerie. Je sais pas s'il fait 118 kilos, Roman Reigns. Comment il fait? Je sais pas combien il pèse en kilos. Enfin, je le savais, mais je m'en rappelle plus. Oh, l'arbitre, s'il te plaît, arrête. Pourquoi tu me touches? Pourquoi tu me touches? Pourquoi tu me touches? Pourquoi tu me touches? J'aime pas qu'on me touche, moi. Touche pas, moi. On trouve pas un arbitre. Un dégueulasse, en plus, là. C'est le même arbitre depuis 100 000 matchs. Tombé. Hein? Ah, j'ai eu peur de faire un petit New Day Cesaro. J'ai un peu flippé. De dire, je vais peut-être pas me fail sur le dernier match, ça serait dommage. Encore ce premier, bon, à la limite, ça passe, on pardonne. Hein. Mais sur le dernier match, c'est vrai qu'on peut un peu moins pardonner, j'ai envie de dire. C'est vrai que là, je tourne quand même 4 vidéos de suite. Hein. C'est un peu l'usine à gaz. Oh là, le massacre. Ça marche pas dans le coin, comment ça se fait? Pourquoi ça marche pas dans le coin hein? Pourquoi je peux pas le saucer dans le coin comme je fais d'habitude? C'est bizarre. Je peux pas le saucer avec un petit Superman Punch, c'est dommage. C'est extrêmement dommage. On va se dégager, on va se dégager. Pas de soucis. Pas de soucis, les amis. Je vous aime bien, je vous régale. C'est pour vous hein, ce roadblock. Hein. C'est pour vous, c'est exclusivement pour vous. Hein. C'est pour vous faire plaisir, c'est pour vous faire attendre, roadblock, voilà. En plus, je sais que le dimanche, il n'y a pas grand-chose à faire généralement, donc quelques vidéos d'Oxor, également quelques vidéos de Monsieur Cody également. Hein. Monsieur Cody qui fait des bonnes vidéos de catch, hein. Attention, hein, faut pas le négliger. Hein. Faut aller voir. Faut aller voir les deux youtubeurs. Oh, je l'ai contré. J'ai pas apprécié, je crois. Oh. Ouf, il m'a contré. Oh, je l'ai contré aussi. Tiens, c'est pour toi, c'est pour ta maman. Pour le moment de Kevin Owens. Aïe. Non. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Ouh, oh là 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 là, il me fait passer par-dessus la troisième corde. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Kevin Owens. Kevin Owens. Ouh. This is awesome. Ce qui vient de se passer, les amis, c'est incroyable. Il vient de me déchirer en dehors du ring. Il vient de m'exploser là, Kevin Owens. Sur le dos, cool. Qu'est-ce que tu fais? Il va faire le tomber. Hein? Oh, je me dégage. Oh, oh, Roman Reigns est fou. Roman Reigns est fou, les amis. Il est bon, Roman Reigns. Hein. Oh, c'est vrai. Ah, qu'il est bon, ça. Enfin, dans le jeu, il est bon. En vrai, je suis pas fan. Chacun ses goûts après, j'ai envie de dire.
Allez. Big badabim, big badaboum. Je sais pas c'est quoi son spécial hors du ring, là, Roman Reigns. On va tester, tiens. On va tester. Je crois que c'est souvent un punch aussi, non? Pas dit, pas dit, pas dit. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh 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 oh, c'est pas bon ça, c'est pas bon ça. On vient de l'exploser littéralement, les amis. On vient d'exploser Kevin Owens. Il n'y a plus de Kevin Owens, les amis. Le Kevin Owens Show, bah, c'est terminé à Roadblock. Malheureusement, c'est con, hein. Il m'a contré. Ouf, oh, on est parti d'un team. Oh là 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 là, je pensais faire un même jeu moment de malade mental. Oh non, il va bien contrer mon finisher. Oh, dans l'escalier. Il s'est précipité sur moi avec un dropkick. Je crois qu'il est à 5 l'arbitre. J'ai pas le décompte dans les oreilles. J'entends pas trop. 6 ou 7, je ne sais pas. C'est de remonter sur le ring assez vite. Essayer d'aller le chercher, gars. On va peut-être pas non plus le laisser en décompte à l'extérieur, ce serait dommage. Surtout que si on veut le titre, on peut pas. Pas le laisser comme ça. Oh, le descente du coude. Allez, on remonte tranquillement, mais sûrement. Crac, crac. On charge le point. Crac, crac. On dirait même que ça stick le joint. C'est tout ce qu'il fait en fait. C'est con, mais. C'est un peu la vérité quand même. On dirait il se... Pardon, 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 pardon. Vous avez compris ce que je voulais dire, je pense. Ouh, oh, boum. Non, ça a raté. C'est dommage, ça a raté. Bon, j'ai raté mon jeu au moment, il a contré, c'est con ça. C'est un peu dommage quand même. Lève-toi, il est en train de me dire. Lève-toi. Lève-toi, je vais te bouffer. Je vais te bouffer, Roman Reigns. Bon, j'ai tous mes contres, lui aussi je me dirais. Hop là, t'as pas kiffé ça. Hein. Aïe. Ouf. Oh là là, attaquer dans le dos un petit peu, c'est méchant. On attaque pas d'assassin dans le dos, c'est vrai que ça se fait pas. Neckbreaker de Roman Reigns. Non. Oh, la petite feinte. Ah, j'ai bien aimé. Ah, j'ai bien aimé la petite fan de Roman Reigns. Like, hein, si t'as bien aimé également la petite fan de Roman Reigns. Like cette vidéo si tu kiffes. Neckbreaker. Oh, je l'ai fait. Oh, une deuxième fois. Ah, dis donc. C'est bien, c'était marrant une fois. Ouais. Deux fois, ça reste un petit peu ridicule. Qu'est-ce qu'il me fait? Ok, le bras. Forcément, sans bras, je pourrais peut-être pas porter de se faire un punch. Ce serait un peu plus difficile, on va dire. Aïe 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 aïe, j'ai pas pu contrer, j'ai un peu peur de ce qu'il va me faire en fait là. Parce qu'on connaît, hein. On connaît Owen, c'est un petit peu un fou le mec. Ouf. Il me brisait en deux là-dessus là. Tomber de Kevin Owens. 1, 2. Oh non. Oh là là là, j'ai pas pu me dégager d'un simple tombé. Bon bah les amis, peut-être ça va se passer comme ça, hein. Peut-être la victoire d'Owens finalement du côté de Roadblock. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se laisse ici, les amis, pour eh bien cette victoire de Kevin Owens. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite, les amis, pour de futures vidéos. Et bien sûr, eh bien, le mode carrière, le mode univers également. Et également les Raw et SmackDown Live du mode fanfic. N'oubliez pas le petit like et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Ciao tout le monde! Bye bye!